Donc voilà, je vous propose de vous connecter à vous-même, à votre propre essence maintenant. Donc je vous propose de vous mettre en... Je vois qu'il y en a qui se mettent des couvertures, les chaussettes. Voilà. Voilà. Donc, c'est la reconnexion avec la puissance du divin, du céleste. Est-ce que chacun d'entre vous, j'ai une question avant que vous rentriez en méditation. Et j'aimerais bien que vous répondiez sincèrement au centre de vous, afin que je reconnecte ça dans mon cœur. Est-ce que chacun d'entre vous est prêt à rencontrer sa force intérieure? Est-ce que chacun est prêt à se reconnecter à son moi intérieur, à son énergie, puissance intérieure, mais à sa lumière, force? Je vous parle de force parce que je vais vous reconnecter à votre, je vais le dire, je ne veux pas gâcher tout, c'est pour ça que j'essaye de m'inspirer là pour voir si je dois vous le dire tout de suite. Je vais le dire. Voilà. Écoutez encore ce que je vous dis parce que j'essaye de vous préparer à cette méditation. Je vais vous reconnecter à votre dragon intérieur. Ne partez pas tout de suite. S'il vous plaît, restez avec moi. Le dragon intérieur, il faut savoir que vous avez un cerveau reptilien et que ce cerveau a été manipulé, a été nourri, a été l'objet de forces basses intérieures, alors qu'il pourrait être dompté et rééquilibré et renforcé et ou changé. Donc, je vais vous proposer une méditation qui va faire cela. Je me suis connectée tout à l'heure à l'archange Michael et je lui ai demandé s'il pouvait venir maintenant pour cette méditation. Et il est d'accord. Donc, ce n'est pas rien, parce que invoquer pour moi l'archange Michael, que je fais très, très, très rarement, mais même ça date de très, très longtemps depuis que je. Voilà. Mais là, ce soir, je sentais que c'était ça qui était important pour moi de vous donner dans cette méditation. Même si nous ne sommes pas à la Michaélie, parce que la Michaélie est le moment où de terrassement du dragon, mais justement, nous sommes pas très loin, c'est-à-dire que la Michaélie, normalement, c'est en septembre, hein, vers mi-septembre, hein, au solstice d'automne. Enfin, pas tout à fait, enfin, si, solstice d'automne. Mais là, on est proche de l'été et je pense que j'aimerais justement activer le dragon positif. Mais je sais que parce que j'ai eu l'information tout à l'heure, parmi certains d'entre vous, donc je ne veux pas vous rendre étonné si ça vous arrive, parce que vous allez sans doute le voir, certains d'entre vous vont avoir un dragon qui va être terrassé, c'est-à-dire qu'on va devoir l'anéantir, le tuer, le finir. Il y a des dragons qui sont terminés, il y en a d'autres qui doivent arriver. C'est tout, c'est comme ça. C'est des fins de temps. Là, on est encore dans l'énergie de l'éclipse de pleine lune. Et donc, il faut finir des vieilles énergies, des vieilles choses qui ont été là. Et ce dragon est porteur de ça. Il y en a certains encore qui vous sabotent. Et c'est ce saboteur qu'il va falloir tuer. Par contre, il y en a certains qui sont à renouveler et qui sont à nourrir et à mettre en place, à révéler au fond de vous. Donc certains vont finir et vont avoir un nouveau dragon qui va venir, et d'autres vont avoir un dragon qui va se révéler et se positionner à l'intérieur de lui. Ou d'autres, tout simplement, qui vont être révélés à vous,
tout simplement. Mais c'est vous. Ce dragon, il n'est autre que vous. C'est votre énergie, votre force intérieure. Et je vous le mets en lumière parce qu'en fait, il n'a jamais été mis en lumière comme ça. Et je pense que là, on touche des nouvelles énergies qui sont très, très puissantes sur cette terre et qui sont porteuses d'un nouvel âge d'or, qui sont porteuses de nouvelles... vous voyez, il faut rester dans la créativité. Et moi, voilà, je tisse, je comporte, je donne et je révèle et j'initie. C'est toujours des choses nouvelles que je fais parce que c'est comme ça. Je suis faite pour ça, je suis conçue pour ça, j'ai mon ADN qui est comme ça. Ne vous posez pas de questions. Mais voilà, et pour moi, si vous voulez, j'ai cette puissance-là. Voilà, c'est comme ça. Je me révèle à vous nue, hein, parce que c'est, je sais bien que ça peut paraître un peu bizarre ou paraître un peu fort, mais j'ai cette capacité-là. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour moi. C'est quelque chose de même assez simple et même très... c'est presque jouissif pour moi parce que c'est... Enfin, je peux enfin... C'est comme si je prenais ma brasse pour la première fois. C'est comme si j'agitais mes ailes pour la première fois et bientôt, je vais pouvoir voler pour depuis longtemps que je n'avais pas volé. Donc, voilà. Donc, voilà. Encore une fois, je reviens un petit peu à vous. C'est-à-dire que nous allons... Donc, je vais faire cette méditation, reconnexion au divin et au céleste. Et je vais demander à votre dragon de se révéler. Je vais demander surtout à l'archange Michael de venir et d'être là si jamais il y a quoi que ce soit. Je serai là aussi. Et voilà, donc il n'y a pas de peur à avoir, il y a juste de l'ancrage, il n'y a aucun problème. Votre dragon, c'est vous, c'est votre puissance intérieure. D'accord ? Voilà. Allez, c'est parti. Soyez des êtres courageux que vous êtes, révélez-vous à vous-même. Et puis, si tant bien même vous devez transformer un vieux dragon, vous le terrassez, on le termine, et il y en a un autre qui va arriver derrière. Voilà, c'est parti. La méditation du dragon intérieur. En fait, je pourrais même la dire la révélation du dragon. Je vais vous demander d'imaginer de voir votre belle étoile céleste au-dessus de vous, qui est reconnectée, qui est connectée avec le grand soleil central de l'univers. Je vous demande maintenant de recevoir la lumière divine, maintenant. Et sentez que cette lumière vous inonde maintenant et qui révèle toutes vos énergies intérieures, comment vous êtes en ce moment. Je vous propose que votre étoile céleste au-dessus de vous soit ce point d'ancrage et diffuse une nouvelle énergie lumineuse qui descend maintenant dans votre crâne et qui descend dans votre front, dans votre cerveau, votre gorge, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cage thoracique, votre cœur, vos poumons, tous vos viscères à l'intérieur de votre ventre, descendez dans votre bassin, dans vos jambes, jusqu'à vos pieds, genoux, tibia, mollet, pieds, terre. Voilà, je demande la purification et l'activation de votre Kundalini ou la purification et l'activation de votre canal. Je demande la purification et l'activation de votre canal maintenant. Et je sens, vous sentez la lumière de votre canal, puissante lumière de votre canal qui descend dans votre crâne, dans votre colonne vertébrale, jusqu'au périnée qui descend dans la matière de la terre pour arriver dans l'étoile terrestre.
qui elle-même a un lien avec le grand soleil central de la Terre. Un rayon fort la maintient. Et vous pouvez voir le grand soleil central de la Terre rayonner à travers le centre de la Terre, puissant noyau de la Terre qui maintient le magnétisme de la Terre. Sentez toutes les âmes, tous les êtres sur cette Terre magnétisés, connectés à ce grand soleil central de la Terre. Sentez la force et la puissance de la Terre. Sentez ce magma profond et intérieur de la Terre. Elle aussi, elle a un puissant dragon. Je demande maintenant à l'archange Michaël de descendre et de venir parmi nous. Et donc maintenant, je peux maintenant vous connecter à, je demande à chaque dragon d'entre vous de se révéler à lui-même. Je demande à chaque dragon à l'intérieur de vos êtres de se révéler maintenant, de se dévoiler. Je demande à chaque dragon de se dévoiler. Je demande à la dragonne cristalline de nous aider à révéler notre dragon intérieur. Je demande à la dragonne cristalline de venir nous révéler à nous-mêmes. Je demande à la source bienveillante de protéger tous mes frères et sœurs qui m'écoutent là, maintenant, en une bulle magnifique et lumineuse autour de nous, afin de nous protéger dans cette transformation intérieure, maintenant. Je vais maintenant scanner à l'intérieur de vous. Je demande à au dragon intérieur de se révéler ou au dragon intérieur de se révéler. Voilà, il y a un dragon qui est terrassé à l'heure actuelle par l'archange Michaël. Un autre. À chaque fois, il recycle l'énergie et un autre dragon part du céleste, part de la source. Voilà, je vois des dragons qui sont en route vers vous-même. Voilà, j'ai vu un deuxième dragon, troisième dragon qui est terrassé maintenant. Voilà, et d'autres qui se révèlent à l'intérieur de vous, laissez-le rentrer à l'intérieur de vous. Laissez-le prendre place à l'intérieur de vos membres. Laissez-le briller à l'intérieur. Je demande au dragon de se révéler et d'être nettoyé et purifié, complètement purifié, d'être guéri de toute force et aux manipulations négatives passées. Je demande à ces dragons d'être nettoyés et purifiés, ceux qui sont entre deux et qui doivent être juste nettoyés, juste guéris de ces forces passées. Beaucoup d'énergie fuse là. Vous devez sentir beaucoup, beaucoup d'énergie qui vient. Il y a énormément de puissance maintenant. Vous n'avez jamais senti cette puissance-là. Laissez-la se révéler. Laissez-la être. C'est votre force intérieure. Ce n'est pas de la colère, mais c'est de la puissance. C'est de la force qu'il va falloir canaliser. Et je vais vous demander... Maintenant, pour ceux qui peuvent, parce que je sens que le dragon est un peu, voilà, je vais vous demander maintenant de chevaucher le dragon. Vous allez vous mettre chacun sur vos dragons. Et vous allez tenir les rênes du dragon. Si vous avez vu le film Avatar, ben c'est exactement ce que je vous demande. Tenez les rênes de votre dragon. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes sur votre dragon et vous le tenez. Vous pensez quelque chose, il va s'incliner. Vous montez la tête, il va monter. D'accord ? Vous chevauchez votre propre dragon. Avant tout, vous devez vous connecter à son cœur et à l'aimer par-dessus tout, toute chose.
Vous devez vous abandonner à votre dragon, l'aimer par-dessus tout. Vous devez rentrer dans sa matière et nourrir son énergie et donner de la lumière à son cœur. Il a eu peur pendant des siècles et des siècles et même des millénaires. Je vous demande de transformer son cœur en lui disant que vous l'aimez. Soufflez-lui que vous l'aimez dans son cœur. Soufflez-lui qu'il est beau, qu'il est vous et que vous l'aimez et qu'il est bon à l'intérieur de lui et que vous le reconnaissez comme votre dragon. Il y en a qui vont être dans le ressenti, il y en a qui vont être dans la verbalisation, il y en a qui vont être dans les deux, il y en a qui vont le visualiser tout simplement et d'autres qui vont faire autre chose. Mais voilà, essayez d'être dans cette intention-là. Sentez cette puissance intérieure. Sentez que vous maîtrisez votre dragon. Sentez que plus aucun reptile sur la terre ou du ciel peut vous manipuler. Sentez que vous transcendez tout. Sentez que la lumière vous accompagne. Sentez que la douceur vous accompagne. Sentez que l'humanité en vous gagne sur le reptilien. Vous gagnez sur le reptilien maintenant à l'intérieur de vous. Vous l'apaisez, vous le maintenez à l'intérieur de votre corps et de votre être. C'est vous qui êtes en totale sécurité, mais aussi confiance et contrôle sur la situation. Votre reptilien, c'est un instinct grégaire. Vous montez en vibration depuis quelques années, enfin voilà, depuis 2012, l'énergie a énormément monté. Vous êtes absolument capable d'entendre ce que je vous dis. Vous êtes absolument capable de faire ce que je vous dis de faire, d'atteindre ce niveau vibratoire. Parce que je souhaite que votre divin soit au-dessus de tout ça et soit souverain sur cette terre. Nous avons laissé trop de reptiliens mener trop de choses reptiliennes, c'est-à-dire des instincts grégaires, ce qui nourrissait l'ombre, ce qui nourrissait des choses très sombres sur cette terre. Alors que là, aujourd'hui, il faut sanctifier l'énergie divine, il faut se l'accorder, il faut la récupérer. Voyez votre lumière maintenant venir vers vous. Votre moi supérieur vient comme un roi ou comme une reine ou comme un prince ou une princesse. Fusionnez avec cette énergie lumineuse et accordez-lui de la place à l'intérieur de vos corps. Accordez-lui cette place de souveraineté à l'intérieur de vous. Vous êtes désormais les rois et les reines de ce monde. Vous êtes souverain sur cette terre. Plus aucune personne peut vous manipuler. Je dois vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit là comme ça, mais j'ai besoin de le dire. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Voilà, l'archange Michael vient de me dire qu'il y a eu 8 dragons terrassés parmi les 32 personnes qu'il y a à l'heure actuelle. 8 dragons terrassés et beaucoup de guéris et transformés. Et 8 dragons revenus à l'intérieur de vous qui sont blancs et dorés à l'heure actuelle, un peu comme des petits dragonneaux, mais ils vont prendre vite place. Je vous remercie pour cette méditation. Je vous remercie d'avoir été fort, d'avoir repris votre puissance que vous avez trop longtemps laissée déléguer à l'autre.
Je vous remercie de prendre votre souveraineté. Mettez votre main gauche sur votre cœur, votre main droite sur votre main gauche. Et je vous propose de vous incliner les uns envers les autres maintenant, ensemble, pour nous reconnaître. Voilà. Maintenant, je vous propose de vous incliner pour les êtres qui sont souverains sur cette terre, des êtres divins souverains sur cette terre. Ensuite, je vous propose de vous incliner pour les êtres galactiques de ce monde et des mondes des multiverses, maintenant. Je vous propose de vous incliner pour la Terre, à Gaïa, souveraine, reine de cette galaxie. Je vous propose de vous incliner à la source. Remerciez la source de votre existence sur cette terre, d'être né en ce temps magnifique, en ces temps magnifiques. Vous vous honorez quand vous remerciez la source, la pleine et parfaite lumière. Et maintenant, je souhaite que vous vous incliniez pour vous remercier, pour vous honorer de tout ce chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant prendre 3 grandes respirations et revenir à votre corps et ici et maintenant, tranquillement, dans votre état d'être maintenant. Je sais que vos vibrations sont hautes, mais c'est ainsi, c'est votre puissance. Vous pouvez bouger les épaules, les doigts de pied, tout ce que vous désirez pour revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux quand vous désirez.